le top 5 des baisers qui ressuscitent. Numéro 5, la Belle au bois dormant. Bon, vous le savez, hein, dans le monde merveilleux de Walt Disney, il suffit souvent d'un petit bisou pour ramener quelqu'un à la vie. Oui, c'est un truc qu'ils ont repris des frères Grimm. L'amour plus fort que la mort, c'est universel. Il suffira donc d'un petit smack du prince Philippe pour contrer le mauvais sort lancé par Maléfique sur la princesse Aurore. Numéro 4, Abyss. Honnêtement, qu'est-ce qu'un bouche à bouche, sinon un baiser qui ressuscite? Ouais, là on est pile dans le sujet. Sauf que le bisou est un tout petit peu moins tendre que dans La Belle au bois dormant. Oui, dans la vraie vie avec des vrais morceaux dedans, Ed Harris ne se contente pas d'embrasser, il doit aussi taper. Ouais, à tel point que Marie-Elisabeth Mastrantonio ne garde pas un excellent souvenir de la scène. Numéro 3, Wally. Un Wally bien amoché, une batterie endommagée, une réparation précipitée, mais malgré tout, le petit robot n'est plus ce qu'il était. Ouais, pour une machine, perdre sa mémoire équivaut un peu à mourir. Mais il suffira d'un petit bisou électrique de Eve pour le ramener à la vie. Le courant passe bien entre eux. Numéro 2, Matrix. Neo est en vadrouille dans la matrice et malheureusement pour lui, il croise le chemin de l'agent Smith qui le salue avec une bastos. Du coup, il meurt dans la matrice et dans le monde réel, forcément. C'est évident. Sauf pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais là, on n'a pas vraiment le temps de vous expliquer. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un petit baiser de Trinity le ramènera à la vie. C'est beau. Numéro 1, Blanche-Neige et les 7 nains. Bah oui, vous l'aviez tous deviné. On vous l'avait dit que les bisous miracles, c'était une tradition Disney. Déjà en 1937, dans leur premier long-métrage, Blanche-Neige se réveillait d'un sommeil de mort grâce à un baiser de son prince charmant, qui heureusement pour elle passait dans le coin. Ouais, et qui heureusement pour elle a décidé, on sait pas trop pourquoi, de bécoter une jeune fille décédée. C'est chelou quand même. Retrouvez tous ces films à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allociné Home, disponible sur smartphone et tablette.